Vraiment, les sœurs des provinces sont vraiment imaginatives. L'autre fois, c'était Princesse avec un sifflet. Aujourd'hui, c'est Vanessa Bizier avec un canari. Vraiment, elles sont vraiment ingénieuses et imaginatives. Ça fait mon village. Très bon, on continue. J'aime ça, c'est vraiment original. Comme je le dis, c'est la seule qui a compris que c'est du tradit moderne. C'est pas seulement du traditionnel, mais c'est du tradit moderne. Et cette phase de sa prestation, excellente, originale, authentique. On l'écoute. C'est mon histoire, que c'est là que Jésus m'a sauvé, et c'est là qu'il m'a tendu sa main. Et maintenant, comprenez mon émotion, et chante avec moi si tu le sens. Chante avec moi si tu le sens. Chante avec moi si tu le sens. C'est vraiment une artiste très imaginative aussi. Voilà. Ce sont des candidats qui sont constants et qui aussi même au vouloir ou de me répéter ou de me contredire, qui sont constantes mais qui évoluent dans leur constance. OK? Vraiment très belle prestation de Vanessa Bézier, qui était l'une de mes grandes dames. Voilà. Elle faisait un trio vraiment très terrible avec elle, Grace Motoka, Grace Kabila et puis... Et puis voilà, Olga Soumani. Mais voilà, aujourd'hui, voilà, elle a brillé et voilà, on continue. L'une des grandes dames de province. Le choix du chant est excellent. Sandra, maman Sandra, encore une fois, je m'excuse. Le choix du chant est excellent et cette prestation, elle n'a rien à voir avec la prestation des primes. Pour ceux qui veulent, allez-y écouter les primes 1 et écouter cette chanson et poster sur ma page quelle est la différence. Cette chanson-là, cette prestation est 10 000 fois mieux que celle des primes. Je le dis et je le répète, allez-y, écoutez le prime de Noé, écoutez ce prime là, nothing to compare. Emmanuel longola cassonier, Nzambe akosalela tongo pokwa kolemba te bobola munezo. Il a trop bien chanté, il a trop bien chanté. C'est pas minable du tout. On continue. Bravo Noé, il est revenu en force, il est encore dans la compétition. On continue. Les notes basses encore une fois, il faut les éviter. Ok, Olivier Ballo là, dans un style vraiment qui n'était pas son registre, c'est un chanteur vraiment mélancolique, plutôt R&B, gospel ou même chanson d'adoration en français.
Bon, ici, il a fait quelques fausses notes, mais il n'admet pas moins qu'il a. Il n'a pas été minable aussi. Okay, on continue. J'aime sa Bible. Sa Bible, oui. Il tient sa Bible comme s'il partait à l'église ou s'il revenait de l'église. Voilà. Asubuhi na jioni moyo unalia kwako he kila saa na kila dakika baba na kutumainia niende wapi baba balanda wagu. Voilà, ici, Olivier Balou a fait quelques fausses notes, mais voilà, on continue. Ça, c'est mon frère Christian Mukuna, dans un style, il ne pouvait que taper parce que c'est son style, ça, c'est le style traditionnel. Qui connaît Christian Mukuna, il ne peut pas échouer dans ce genre de style. On l'écoute très bon, très, 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 très bon. On l'écoute. Voilà, donc Christian Mukuna, très, 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 très bon. Voilà, et on arrive au frère Soukaina, Manassé Sinda, le meilleur de cette partie, de cette tranche. Voilà, donc si on disait à choisir au niveau des hommes, Manassé Sinda, au niveau des sœurs, Ruth Kimongoline Céline. Manassé avec son parapluie. Et Manassé, il pleut par la pluie, il pleut pas par la pluie. Dans le concept parapluie, le concept du parapluie avec Manassé, c'est dans ce cas. Donc c'est Francis Conan encore une fois dans une vidéo réaction et la suite j'ai quelques chanteurs j'ai quelques chanteurs qui ne sont pas encore dans la vidéo Olga Soumani n'a pas fait un bon travail et sa vidéo est en préparation Alain Paloukou très bon travail donc voilà ne quittez pas encore c'est Francis Conan et pour ceux qui veulent allez-y sur ma page, abonnez-vous. Et comme nous ne sommes pas du Congo, voilà, je vais mettre Manassé en fond sonore parce que c'est vraiment l'un des meilleurs. Voilà. Voilà, donc comme je disais que voilà, c'était Francis Conan encore une fois dans une vidéo réaction sur le Pram 2. Et voilà, donc pour ceux qui me suivent bien les choses, j'aimerais ici reconnaître publiquement Maki, le frère Avi, Maman Grace Motoka. Et laissez-moi voir si j'ai des noms. Parce qu'il faut reconnaître tous ceux qui sont sur ma page et qui contribuent au développement de ma page par leurs commentaires et je vais comme ça citer des noms pour les remercier de leur engagement si la technique me permet parce que il me semble que voilà donc il y a beaucoup de gens qui viennent sur ma page et voilà donc je vais plutôt partager. Donc voilà, donc c'est plus ces personnes-là qui sont vraiment, qui viennent pour me donner des conseils, faire des commentaires et bien des choses à ces personnes-là. Et il y a Lindsay Kabali, il y a Saint-Ish Mouy, il y a Ren Ebele, Ebebele. Il y a le frère Avi, il y a Léa Alida,
Il y a Serge Ngolo. Voilà. Il y a Biju Shungu. Il y a Gracia Berlis. Et il y a Naomi. Sœur Naomi. Et il y a Julie Mulonda qui fait beaucoup de commentaires aussi. Et des commentaires très intelligents. Voilà. Et il y a Julie Mulonda qui est là encore. Il y a Avi. Il y a Maki. Il y a plusieurs. Ils sont tellement nombreux, ils sont au nombre de 1500. Donc, vraiment, je ne peux pas tout citer, mais je vous dis merci pour tous vos soutiens. Et voilà, continuez de prier pour pour ce channel. Continuez de nous soutenir dans la prière. Et comme je l'ai dit, je vais instituer un système de collecte. Pour soutenir cette page là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de chants que les candidats chantent qui sont avec le droit d'auteur, donc pratiquement voilà. Donc, si vous pouvez soutenir par vos donations, je vais faire une vidéo spéciale pour pouvoir introduire ce concept qu'on appelle en anglais Patreon, c'est-à-dire que vous aidez ceux qui font des vidéos à avoir au moins quelques dons financiers pour pouvoir investir dans les vidéos. Là, ce n'est pas un salaire, voilà, on travaille, mais on fait ça parce qu'on aime le Seigneur Jésus. Et voilà, donc c'est pour bénir l'œuvre et voilà, et que le Seigneur vous bénisse encore. On reste accroché, on suit le frère Balancé Senda et je vous dis bonne nuit.